Hello. Ton pantalon, il te faisait la chouchoute, la patte de chameau. Oui. Du coup, on va à H&M et on va l'échanger. Oui, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Bah maintenant, il faut chercher le modèle. Sors un peu le pantalon pour voir comment il est. Je crois que c'est celui-là. C'est lequel? Sauf qu'on est en gris clair. On le reprend en gris clair ou on le prend en noir? Il est là. Hein? C'est pour gris clair ou en noir? Trop grand. Bah c'est bien, tu fais comme une grande fille. Vous connaissez l'histoire des autres maillots en chien? Bonne journée, au revoir. En l'air. Tu verrais comment ça va se faire prendre. Ça c'est joli, mais l'été, tu dis, regarde. Ouais. Avec le haut blanc, c'est très joli. On va prendre ça pour Aaron. Normalement, c'est pas encore son mois, c'est pas ce mois-ci que je devais prendre pour lui, mais ça c'est là et c'est beau, donc on va prendre pour lui. Des belles bottes. Ça c'est trop beau. Je mets où? Je vais mettre. Non, 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 le mets pas là-dedans. Ici, on dirait qu'il y a qu'un seul. Et je vais faire. Choisis un parfum pour toi. Je vais pas prendre un cassé comme moi. Les cassés, moi je les aime pas les cassés. Attrape-le dans ta main. Attrape ça dans ta main. On va payer. Ça c'est quelle taille? 23, c'est trop petit. S'il y avait sa taille. Oh dis donc. Il y en a même un Mickey qui est marron là, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça c'est mon taille. Sephora. On est en train de sortir de Zara. Et qu'est-ce qu'on a acheté? Un parfum. Hein? On n'a pas pu prendre ton manteau parce que ce n'est pas encore là. Oui, mais par contre, on a pris un parfum, la Reine des Neiges. Et on a pris deux paires de chaussures pour Aaron. Oui. On vous montrera mieux à la maison. Oui. Vous êtes fatigué? Mesdames? Quand on est parti à Zara, nous n'avons pas trouvé de manteau. La dame, elle m'a dit qu'elle aura des manteaux la semaine prochaine, courant de la semaine prochaine. Du coup, ce sera la nouvelle collection. Du coup, j'irai avec Sephora choisir son manteau pour l'hiver. En attendant, Sephora a décidé de prendre ce parfum-là. Voilà. Il était à 6,95€. Et normalement, ce mois-ci, c'était le mois de rentrée. Achat scolaire pour Sephora, donc vêtements et fournitures. Mais en passant à Zara, j'ai craqué sur ces bottines là. Du coup voilà, elles sont comme ça. Il y a des oreilles de Mickey devant comme ça. Elles sont comme ça sur le côté. Et derrière... il y a écrit Mickey Mouse. Mais par contre, cette paire de chaussures qui était à... cette paire de chaussures taille 25 qui était à 29,95€ du coup, est dans le rayon fille. Alors que quand j'ai regardé ça, je l'ai plutôt trouvé mixte cette paire de chaussures. Du coup, voilà quoi. Je pensais que c'était les fins de série, mais non, la dame a dit c'est nouvel arrivage. Donc voilà. Rayon fille, nous avons ça comme chaussure. Mais je trouve que ça fait mixte, hein. Ça peut très bien aller avec un garçon. Hein. Et une deuxième paire de chaussures, du coup, comme celle que vous avez vue dans la vidéo. Du coup, que j'ai pu trouver
à la bonne taille pour Aaron. Et je les ai tellement kiffés. Et quand je les ai montrés à Doudou, il m'a dit que c'est exactement le même genre qu'il cherche pour lui. Elles sont comme ça. Du coup, en demandant à la vendeuse, elle a pu trouver en taille 25, donc la taille, la pointure d'Aaron. Il met du 24, mais je lui mets du 25 pour qu'il soit à l'aise avec des chaussettes et tout le blabla. Et cette paire a coûté 29,95€, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà essayé les chaussures sur Aaron, c'est pour ça que vous pouvez voir les nœuds déjà faits ici. Elles sont magnifiques. 66,85€. Voilà! Hello Sephora! Hey Frenchies! Alors, on est à Auchan. Tu choisis une trousse? On fait les fournitures scolaires. Je savais que t'allais regarder ça. C'est celui-là que tu veux? T'es sûr? Ouais, elle est rose et noire. Ok. On prend celui-là, mais moi, en tout cas, je te donne mon avis. Hein, oui. Je pense que c'est ça qui va être à la mode cette année. Je pense que c'est ce genre de trousse-là qui sera à la mode dans les classes à l'école. Parce que c'est rigolo. Ah. Après, si tu prends celui-là, c'est comme tu veux. Ça fait une petite. Hein? Ok. On va commencer par prendre les feutres d'abord. On est dans le rayon feutre. On prend un paquet de feutres et un paquet de crayons de couleur. C'est petite mine? Oui, la fiche de couleur. C'est ça que tu veux? Des toutes petites mines? Ok. Je crois que c'est vraiment la mode, ça. Ça, c'est pour les tout petits, ça. Ça, c'est pour le genre de Aaron. Oui. Et en plus, ça se lave à la machine. Ça, c'est pour le genre d'Aaron. Maintenant, un paquet de crayons de couleur. Les crayons de couleur sont là. Prends un ou il y en a plusieurs aussi dedans. Alors, en cartable, on va pas en acheter parce que l'année dernière, je t'ai déjà acheté deux cartables et ils sont encore en très bon état. Donc on va pas racheter un cartable. T'en as deux à la maison qui sont en très bon état. Ça c'est les calculatrices des grands, tu veux quoi toi? Elle regarde, elle est en train de regarder ça, ça c'est faut être au collège, au lycée ça. Tonton Louis me prête sa calculatrice pour que je fasse des calculs. Tu veux une petite calculette? Regarde, il y en a une rose là. Je la veux bien. Parce que j'en ai une sur mon téléphone et j'aime bien parler. Comme alors toi, maintenant un paquet de stylos. Si, je suis en train. Tu prends un stylo 4 couleurs? Enfin, tu prends un paquet avec 4 couleurs dedans? Ouais, avec les 4 couleurs? Ouais, c'est 4 couleurs, moi. Non, tu peux prendre un paquet avec des stylos où il y a les 4 couleurs dedans. Tu veux ça? C'est le saut à 4 couleurs comme ça. Ok, mais tu sais qu'il y a le rose là aussi ici. Alors que celui-là c'est que des bleus bleus bleus. Ah ouais, c'est des bleus bleus. Je te dis ça parce que je sais que t'aimes le rose. Montre. Tous les autres dans mon école ils ont ça. Ils aimeraient bien avoir ça comme ça. Après, de la colle. Ça c'est des gros pots de colle, fille. Non, c'est pour faire du slime. Non, mais on va pas prendre de la colle pour faire du slime, on prend de la colle pour l'école là. Ah, ok. Prends un paquet où il y a plusieurs colles. Comme ça, je pourrais faire du slime. Regarde celui-là, il y en a 9 dedans. Ah. Ça va te tenir l'année. Maman, la prochaine fois, on verra si c'est bon, on prend des slimes. Après, en face. Une paire de ciseaux. Ça, c'est pour les grandes mains. Ça me va bien ça. Là, regarde. Celui-là, ça te va ou pas? Oui. Tu as des petits.
Après. Le caddie voulait sortir. Avance, je te suis. On va tout droit, on n'a pas encore fait là. Bonjour. Un taille crayon. Oh là là. C'est celui-là que tu choisis. Le globe. Tu veux le globe? Oui. Voilà, c'est celui-là que Sephora choisit. C'est le globe, comme ça je pourrais voir les planètes dessus. Moi, à ta place, je pense que ce sera ce genre-là qui sera à la mode dans la classe. Oh là là. Ce genre-là. J'aime pas les trucs comme ça. Mais après, c'est toi qui choisis, hein. Oui. Ensuite. Même si t'as un globe comme ça, je peux voir les planètes dessus. Des crayons de bois. Ou comme certains disent, crayon de papier. Crayon à papier. Tu veux des critériums? Montre. Comme ça, j'en ai plus là si j'en perds. Sephora choisit des critériums. Il n'y a pas besoin d'agrafeuse à ton âge encore. Alors, ici, ce sont pour les plus grands. Après, je ne sais pas vraiment ce qu'on va prendre. On prend les basiques, hein. Parce que je ne sais pas, on n'a pas encore reçu la liste de l'école. Maintenant, on va chercher des cahiers de texte. Oui, on cherche les cahiers de texte. Toi, à ton âge, ce sont encore des petits cahiers qu'il te faut. Dans ta classe. Ah, comme ça? Des comme ça, on va prendre des comme ça. Un jaune. Oh, regarde dans le violet, regarde le violet. Tu veux un violet? Il est là le violet. Regarde. Merci. On a pris quoi? Jaune, rouge, violet. Et on prend le rose. Tiens, tu les mets dedans? C'est beau. On prend ça. Bon, allez, on va prendre l'orange aussi. Et ils sont à 1,75. Quoi? 1,75 ou 1,85? On s'en fiche. On prend ça pour commencer. Alors, est-ce qu'il y a un cahier de texte par ici? Non? Une règle ou pas? Mais il n'y a pas ton prénom dessus. Il n'y a pas Sephora sur ce genre de règle. Y a pas ton prénom là-dessus. Ouais, enlève ta grosse tête de là. Avec ta tête là. Tiens, ils sont là. Agenda et cahier de texte. Ça, c'est un agenda, ma fille. Quoique, tu peux prendre un agenda, hein. Quand il te dira la date, tu sais comment ça fonctionne un agenda? Quand la maîtresse ou le maître te dira la date de quel devoir il faut mettre, tu cherches la date dedans et tu écris sur le machin, sur la bonne page, les exercices à faire. Oui, alors qu'un cahier de texte, on te dit pas de date. Ouvre. Oui. Un cahier de texte, normal, vas-y, ouvre. On te dit juste le jour. On te dit pour mardi, tu écris sur la première page de mardi et là tu écris la date. Cahier de texte ou agenda? Cahier de texte, et regarde, il y a la poulade. Ah, c'est pas la poulade. Le chien, moi, j'ai pas besoin. Tu veux faire poupée LOL, c'est ça? Oui, regarde-moi ça. La poupée LOL. La poupée LOL. C'est un agenda poupée LOL? Oui. C'est celui-là que tu veux? Voilà l'agenda que Sephora a sélectionné. Poupée LOL. Poupée LOL. Le peignard, il est trop beau. What? Je suis plus à l'école. Je suis plus à l'école, sinon j'aurais pris. What? Il y a quoi? Regarde-moi ça là, regarde, regarde là, 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 il y a Lisa là, il y a Lisa. Regarde là, 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 là. Tu sais, moi je peux toujours les. Les BTS là, les BTS là. Ah, Blackpink. Moi je peux toujours le prendre. Ouais. Oui. Regarde, il y a aussi un agenda là, regarde. Mmh. Cahier de texte, la Reine des Neiges 2. Non, moi je veux un agenda. Tu veux un agenda? Oui. Avant j'avais pris les sisters. Et il était à combien celui-là? Moi j'ai vu
qu'on donne aux, qu'on montre aux abonnés combien ça coûte. L'agenda que tu as sélectionné, il est à 8,90. Et il y a aussi Ladybug là, à 8,90. Ah, mais hier, il regarde Ladybug. Bon bah c'est bon hein. Même si j'étais encore en cours, j'aurais pris celui-là. L'agenda vie de merde. Toi, tu peux. Chaque jour, ils te mettent des trucs. Moi, tu sais, moi, je peux toujours le prendre. What the fuck? Même ça, là? Regarde-moi ça. Maman? Maman? Oh, il est parfait. Il est trop bien. Moi, tu sais. Je suis trop grande pour ça, là. Bon, c'est bon? C'est tout ce qu'il faut? On va regarder les surligneurs. Les surligneurs vrac. Ils sont à 15 centimes. Oh non mais... 15. Non mais c'est bon, tu peux tous les prendre là, ça fait 15 centimes. Même si t'en prends beaucoup, ça fait 15 centimes. Oh maman, regarde les derrière en plus. Regarde les derrière. Il y a la poupée. Tu kiffes hein. Ouais, il y a la poupée rose derrière. Ok. Là, bon. On refait un tour à côté des sacs. Pour Aaron, quand il commencera l'école, je lui prendrai pour Aaron, quand il commencera, la garderie ou quoi que ce soit. Il n'y a pas la patte patrouille là. Il n'y a pas la patte patrouille. Sauf qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si t'avais pas encore tes sacs qui étaient en bonne qualité, j'en aurais pris un là. Regarde comment ils sont beaux. Allez. Apparemment, Sephora a changé d'avis quand nous avons fait le tour des trousses. Elle a reposé sa trousse et elle choisit une trousse, la reine des neiges finalement. T'es sûre? Parce qu'il y a aussi les reines, les trucs princesses là. Hein, regarde, en bas là. Non, là c'est sur français. Alors tu choisis quoi en fait là? Tu choisis quoi là en fait là? Ça et ça. La trousse de toutes les princesses? Ouais. C'est mieux. Et l'agenda qui va avec? Et enfin, c'est pas la poupée LOL hein. Là tu es en train de faire la danse. Elles sont en train de danser. Les trous de la trousse des princesses, elle est à 4 euros. Et non, elle est à 100 euros. Non, elle est à 4 euros. Qu'est-ce que tu racontes quoi? Voilà, bah, ça y est. Elle a choisi son agenda, elle veut plus le déposer dans le chariot. Ah mademoiselle. Tu veux pas le déposer dans le chariot avec le reste des courses? Non? Non? Ton précieux, c'est ça? Ta tête là. Bon, on va aller voir au crabe. J'ai envie de manger du crabe moi. Ta tête là. D'affaires d'école. Elle a choisi en premier, alors l'agenda poupée LOL, qui est comme ça. Bien sûr, comme je n'ai pas encore reçu la liste de l'école de Sephora, je n'ai pris que le basique en fait. Hein. Quand j'aurai la liste, je prendrai le reste. En trousse, elle a choisi cette trousse-là. Elle a vraiment galéré avant de choisir la trousse définitive. Voilà ce qu'on a pris en cahier. Comme elle passe en CE1, bah, y a pas forcément besoin de grands cahiers tout de suite. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des trucs. Il y a déjà une étiquette dans chaque cahier. Il y a une étiquette à coller au-dessus après. Je sais pas si vous voyez. Enlève ta main de là, toi. Oui. Là. Cette étiquette, on l'enlève. On écrit le prénom de l'enfant dessus. Et l'usage, quelle matière. Et voilà. Du coup, on l'a en jaune, violet, rouge, orange et rose. On a pris un paquet de colle Ulu. Oui. Il y en a 9 dedans. Oui. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo juste avant, enfin juste au début, oui, les prix du rayon, enfin on a affiché les prix affichés en rayon en fait. Oui. On a pris un paquet crayon. Comme ça. Sephora voulait absolument une calculatrice. Même si je pense que là, pour l'instant, il n'y en a pas encore besoin. Mais bon, une petite calculatrice pour école primaire, comme c'est écrit dessus. Je pense que ce sera bon. Au début, elle voulait prendre des grosses calculatrices. Elle voulait prendre une grosse calculatrice de collège-lycée.
Critérium à la place de crayon de papier. Crayon papier, crayon de bois. Nous avons deux paires de ciseaux. C'était pas cher, hein. Tous les prix sont affichés, sont dans la vidéo juste avant en fait. Là, je vous détaille juste pour vous montrer que bah, voilà, on a pris, on n'a pas changé d'avis après entre temps. Les feutres. Parce que comme vous le savez, feutre et crayon de couleur pour les enfants qui sont jusqu'en CE1, CM1, CM2, c'est ça? Sephora a choisi ces stylos-là. À la base, elle voulait les tout bleus, tout bleus. Et bah, je lui ai fait remarquer qu'il y avait aussi le tout rose. Parce que je sais qu'elle aime le rose. Et en dernier, à la base, on n'avait pas prévu d'acheter ça parce que ce n'est pas vraiment un basique pour l'école primaire. Mais plutôt un basique à partir du collège. Nous avons pris ces surligneurs qui sont sans marque. Ils étaient à 15 centimes l'unité, du coup j'ai pris 5 couleurs. Voilà. C'est terminé. Quand on achètera le reste, je ferai une vidéo pour vous montrer ce qu'on achètera. Mais ça, ce sera quand on aura la liste. Et à savoir que souvent dans les villages, il n'y a pas besoin d'acheter de fournitures, étant donné qu'ils fournissent.